Le 15 octobre 2015 dernier, la bouquinerie du Sar ouvrait ses portes à Villeneuve-d'Ascq. Marine Burier, responsable des partenariats, nous explique ce nouveau concept d'entreprise d'insertion autour de biens culturels. Donc la bouquinerie du Sar collecte des livres, des CD, des DVD, des jeux vidéo et des vinyles dans le but de créer des emplois solidaires. L'objectif est d'embaucher des personnes qui sont hébergées actuellement en foyer d'hébergement et qui sont motivées pour retrouver un travail et un logement autonome. Donc on collecte tous ces biens d'occasion pour ensuite soit les revendre sur Internet, soit faire des dons dans d'autres associations, soit les recycler avec l'entreprise Élise, qui est aussi une entreprise d'insertion. C'est Vianney Poissonnier, entrepreneur, qui a eu l'idée de la bouquinerie du Sar. Très sensible à la cause des personnes en insertion, il a vendu sa première société pour se lancer dans ce projet d'économie circulaire. Ça date d'il y a environ un an. Moi, mon point de départ, c'était j'avais envie de trouver une action autour de l'entrepreneuriat social, dans l'idée de répondre à un sujet qui était de comment aider les personnes qui n'ont pas de solution de logement à en trouver. Voilà, moi j'ai cherché un métier. Mon métier d'origine, c'est les médias, la vente d'espaces publicitaires sur Internet. Donc ça, c'était pas du tout adapté à nos amis qui sont plutôt sur des métiers de manutention. Voilà. Donc j'ai cherché un métier qui permettait d'atteindre notre objectif. Et j'ai tourné assez vite autour des métiers autour de l'économie circulaire, comment réemployer des choses pour les revaloriser. 6 mois après l'ouverture, la bouquinerie du Sar compte 7000 produits en ligne. Vianney Poissonnier est ravi de ce démarrage et il a le sentiment de vivre un nouvel élan professionnel. C'est vrai que là, je m'éclate, je suis le plus heureux du monde. Moi, je cherchais une reconversion professionnelle. C'est un peu typiquement le cliché de la crise de la quarantaine. Moi, j'ai 43 ans. C'est vrai que j'ai bien réussi avec cette entreprise de médias que j'avais créée il y a 15 ans. J'arrivais un peu au bout de cette aventure en me disant, bon, c'est vrai, je peux continuer 10 ans, mais pourquoi faire? Vendre toujours plus de publicité? Bon, c'est chouette, mais j'avais besoin de plus. Et de plus en plus, mon engagement bénévole avec Emmaüs m'interpeller, me motiver, j'avais envie d'y passer de plus en plus de temps, je rencontrais les associations, je m'apercevais que ces assos avaient des directeurs, donc c'était des vrais métiers finalement de travailler sur ces sujets. Je pense notamment à la Beige, à Patrick Payeux qui fait un travail de fou, pour moi c'est un peu mon idole, et je me disais pourquoi pas moi. Vianney Poissonnier est même surpris de découvrir parfois des petits trésors dans les ouvrages donnés par les familles. Chaque jour, on trouve des petites perles. Et ça, vous les gardez quand même, hein ? Ben voilà, on les collectionne. Une colonne en latin, une colonne en français, avec toutes les photos de famille. J'adore. La bouquinerie du Sar compte encore 15 000 produits à trier. Elle compte embaucher. Et bien sûr, elle continue à collecter livres, CD, DVD auprès des entreprises, bibliothèques, particuliers et écoles.